Ah, ça fait du bien d'être dans Roblox Brookhaven, comme tu peux le voir. Et aujourd'hui, on est là pour une vidéo vraiment spéciale. Alors, j'ai vu comme quoi, il y avait un petit garçon qui traînait vers chez moi. Oh, salut, qu'est-ce qu'il y a en fait? T'es qui au juste? Bonjour. Bonjour. Moi, je suis le voisin d'à côté. D'accord, ok. Je suis trop fan de toi. Ah, mais t'es fan de moi? Oh, bah trop oui. Bien, trop bien. Mais dis-moi au juste, pourquoi est-ce que t'es venu devant chez moi? Qu'est-ce qui se passe? T'as une nouvelle à me faire passer? En fait, moi, je suis trop fan du Bloop et tu crois ma rat. D'accord. Et du coup, il y a une séance de cinéma. Oh, attends. Si t'es en train de me dire qu'à l'heure actuelle, au cinéma, il y aurait une séance du Bloop et du Grand Mara? Mais c'est qui déjà le Grand Mara? Je le connais pas, moi. C'est un grand monstre comme le Bloop. Ah, c'est un monstre marin qui ressemble au Bloop, d'accord. Et t'es en train de me dire que là, tout de suite, au cinéma de Brookhaven, il y a ce film? Oui. Oh, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Oh, mais j'ai tellement envie qu'on aille le regarder. Oh là là, ouais, les ouais. Amis, est-ce que vous vous rendez compte un petit peu? Apparemment, à l'heure actuelle au cinéma, une séance se trouve entre le Bloop et le Grand Mara qui ferait un combat. Ah oui, quand on connaît les deux, on sait que ce sont des personnages très très dangereux. Et à votre avis, qui est le meilleur entre la team Bloop et la team Grand Mara? Dis-le-moi tout de suite en commentaire. Mais alors du coup, comment est-ce qu'on va faire pour y aller? Tu veux qu'on y aille maintenant? Elle est dans combien de temps la séance? Elle est dans 5 minutes. 5 minutes? Oh mais attends, mais il faut qu'on se grouille à l'heure. Bah attends, vite fait, je vais prendre mes affaires et après on part direct à la séance. Oh là là les amis, j'ai tellement hâte qu'on aille voir ce film ensemble. Hop, on va éteindre bien l'ordinateur, ça c'est bon, c'est réglé. Impeccable. Allez, direction le cinéma, on va aller voir la séance du Bloop ensemble. J'espère que ça va être trop bien. Et bah écoute, tu sais quoi? Vu que t'as l'air d'être super gentil et tout, je te propose même de t'offrir un petit menu au burger là, puisque à côté du cinéma, tu sais, il y a un petit fast-food, ça te dit? Oh, merci! Vas-y, pas de soucis, puisque vu que t'es fan de mes vidéos et qu'en plus, toi aussi t'es fan du Bloop, on va franchement grave kiffer ce film, je l'espère. Eh, à ton avis, puisque vu que c'est un combat entre les deux personnages, tu penses c'est qui va gagner? Moi, c'est le Grand Mara. Le Grand Mara, ouais. Moi, je suis toujours plutôt du côté du Bloop. Enfin, dans tous les cas, on verra bien comment le combat se passe. D'ailleurs, hey, mec, t'es vraiment un grand fan du Bloop. Tu t'es clairement habillé comme lui, d'ailleurs. T'es trop incroyable. Ok, bon, bah c'est parti. Allez, vas-y, viens. On va au cinéma, let's go. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Oula. On voudrait prendre deux places de cinéma pour aller voir le film Bloop versus Grand Mara. Alors déjà, ça va être compliqué pour vous car il y a un dress code. Attends, comment ça un dress code? On va juste voir un film, hein. On n'est pas à une soirée déguisée. Oui, mais on va prendre une photo de groupe à la fin, donc il faut un dress code. Ah, ok. Et attends, et par exemple, le petit là, il respecte le dress code? Oui, il est bon. Oui, il respecte le dress code. Attends, mais comment je suis censé faire du coup pour respecter le dress code? Il faudrait que je m'habille un peu correctement. Pour respecter le dress code, il faut vous habiller en requin un peu comme lui ou. Oh, d'accord. En bleu quoi. Ok. Bon, bah ça marche. Bah, on revient vite fait, d'accord. Ok, oui. Bon, apparemment, un dress code est absolument obligatoire. Oh là là, mais sérieux, c'est quoi cette séance de cinéma de fou? Bon, après, en tout cas, on va quand même grave kiffer. Bon bah tu sais quoi, au pire on va lui demander s'il peut venir comme ça, il nous conseillera aussi sur les vêtements. Bah au pire vous pouvez venir avec nous, comme ça vous nous conseillez pour les vêtements qu'on peut choisir. Allez, pourquoi pas, j'arrive. Allez, let's go, on va nous trois à la boutique de vêtements. Et d'ailleurs, toi tu t'habilles pas non plus comme en requin ou quoi toi? Non, moi je regarde pas la séance. Ouais, ok, ça marche. Bon, bah c'est parti. Et d'ailleurs, est-ce que t'as déjà vu le film, toi, Bloop Grand Mara? Parce que j'aimerais bien que tu me dises un peu si qui gagne. Alors, moi je peux rien dire, vous allez voir à la fin. Mais il est bien ou pas le film? Ah, vous allez voir. Oh, j'ai trop hâte. Bon, en tout cas, ça y est, on est au magasin de vêtements. C'est parti, on va aller tester différents vêtements qui pourraient être cool. Alors, let's go, voyons voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire déjà pour ma tête. Alors, on pourrait mettre ça. Ok, c'est pas mal du tout. Oh, un petit truc de requin comme ça, j'aime bien. Bon, je suis en train de regarder un petit peu tout. Ouais, je pense qu'on va partir sur ça. Ok, bon, déjà, on a pris ça, c'est pas mal. Maintenant, on va dans les t-shirts.
On va encore une fois chercher des t-shirts de requins. Ok, alors ça, c'est pas mal. Let's go. Et puis pour un pantalon, let's go. On va chercher ça tout de suite. Let's go. Hop, voilà, un petit truc comme ça. Je pense que là, on est vraiment pas mal du tout. Pour l'instant, mon skin ressemble à peu près à ça. On va voir si je peux pas rajouter des petits détails qui feraient vraiment incroyable pour tout simplement la séance du cinéma. Alors, on va taper requin ici. Ouais, non, là, il n'y a rien de spécial. Ici, on va voir s'il y a des trucs pour le requin. Oh, des petites dents de requin comme ça, ça peut être drôle. Ouais, 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 c'est assez marrant. Allez, on va regarder maintenant ici. Mais on est pas mal, là. Si on peut se mettre un petit sac à dos. Oh, regardez le sac à dos de requin. Oh, bah, attends, je vais regarder ici si je peux pas taper ça. Regardez, comme ça, ça va vraiment être comme si... Oh, mais oui, de ouf. Oh, regardez. Ah, attendez, vous pouvez pas voir, mais regardez là. Ah, oh là, bon, là, par contre, c'est pas très bien mis. Attendez, on va réessayer de faire ça vite fait. Hop. On va ici et on fait ça. Ok, allez, on va retenter de bien mettre des petites... un petit masque de plongée, on va dire. Voilà, celui-là, il est pas fou. Oh, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Ok, bon, est-ce que là, je respecte le dress code? Là, vous respectez le dress code. Non, okay. c'est pas mal. Allez, on peut y aller. Allez, c'est parti, on y va. Hey, t'as vu comment je suis habillé? Ouais, dis-moi. Ouais, regarde, moi, j'ai un nouveau sac. Fais voir ton sac. Oh, wow, le sac avec le super requin. Incroyable. Bon, allez, c'est parti. Allez, vite. On retourne au cinéma. Mais avant qu'on aille voir la séance... Bon, la séance, elle commence pas très longtemps, mais je commence à avoir un petit creux. Ça vous dirait pas qu'on fasse vite un petit arrêt au burger, là, vite fait? Allez, je vous attends. Dans tous les cas, ouais, je t'invite, hein, comme je t'avais dit. Bon, oui. Bah vas-y, viens, c'est parti. Allez, on va se faire déjà un petit arrêt au burger. Alors, hop, on va se prendre tranquillement une petite, un petit plateau burger. Vas-y, viens, hop, tiens, comme je te disais, je t'invite. Hop, voilà, parfait. Ok, bon, on va manger ça tranquillement. Oh là là, mais en tout cas, tu peux pas imaginer à quel point j'ai hâte qu'on aille voir cette séance de cinéma ensemble. Bloop versus Grand Mara, je suis sûr que c'est le Bloop qui va gagner. Même si toi, t'es team Grand Mara, du coup, parce que tu m'expliques. Grand Mara, oui. Le Grand Mara, ouais, non, mais tu vas voir, le Bloop va gagner. Bon, allez, hop, on s'enfile ce burger, ces bonnes frites et cette boisson. Ah, vraiment, c'était super bon. Bon, allez, il est maintenant l'heure qu'on aille et bien voir cette séance. Let's go, on descend tout de suite en bas du cinéma. Bon, maintenant que le dress code est respecté, est-ce qu'on peut enfin aller au cinéma? Allez. Bien évidemment. Super. Bon. Alors, ouais, on va falloir prendre des tickets. Ouais, du coup, on va prendre, s'il vous plaît, 2 places de cinéma. D'accord. Il y aura aussi... Bah, là, tu veux des popcorn? Des popcorn? Oui, s'il te plaît, sucré. Vas-y. Allez, bah, on voudra aussi ça. 2 pop-corn. Et on va aussi prendre, eh bien, les petites barres de... Les petites barres, là, qu'il y a ici, là. Ça a l'air super bon, ces trucs-là, là. Ouais. Allez-y. Allez, on va prendre des petites barres. Alors, on va prendre des Reese's. Et on va aussi prendre les Hershey's. Ok. Parfait. Et les places de cinéma, vous les avez? C'est parfait, c'est tout bon. C'est bon, tout est payé, tout est bon, tout est parfait. Allez, vous pouvez prendre vos... Popcorn et vos barres de chocolat. Nickel. Merci. Bah c'est parti les amis. Let's go pour aller voir la séance de cinéma Bloop versus Grand Mara. J'ai trop hâte. Oh, regardez. Oh. Il est en train de préparer la projection. Eh, mais bien le bon film là. Là parce que là t'as mis un film d'action. Eh, c'est pas ce film là qu'on va voir. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Ok. Bon, on se pose où? On se met tout derrière, devant, tu peux faire où? On se met au milieu. Au milieu? Vas-y, on se met au milieu. Hop, let's go les amis. Ah là, on est bien. Regardez un peu comment je suis posé là avec mes popcorn et tout. Non mais what, c'est quoi la position dans laquelle je suis? Je suis littéralement trop à l'aise pour voir la séance, hein, là, littéralement. Bon, c'est parti. On s'enfile des petits popcorn pendant que le monsieur est en train de lancer la séance. Oh, ça va commencer monsieur. Oh. Ça va commencer bientôt. Oh là là, j'ai trop hâte les potes. Attendez, on a encore quelques pubs et oh les gars, je crois que ça y est, la séance du Bloop versus Grand Mara est en train de commencer. Voyons voir un peu tout ça, ça va être incroyable. Et c'est parti pour la séance de cinéma. Alors, on peut le voir, ça se passe tout en dessous de l'Amérique du Sud. Et le Bloop a circulé absolument partout, d'accord? Et il va en direction de Puerto Rico pour aller voir le Grand Mara. Oh, attends, mais c'est bien ce que tu m'avais dit. Ça va vraiment être le combat, alors.
Oui, oh, bah oui. Là. Ok, alors on peut le voir, des hélicoptères sont même mobilisés pour essayer de stopper le combat, puisqu'évidemment, ces deux bestioles sont tellement énormes que lors du combat, ça va être quelque chose. Le Bloop contre le Grand Macha, c'est parti, que la séance de cinéma commence. Allez, on se mange des petits pop-corns et ok, c'est parti. Alors, on peut le voir, ici, il y a un petit masque, je crois. Alors, je sais pas trop c'est quoi. Ouais, c'est un masque, ça, c'est quoi? Okay. Non, on dirait un truc pour quand on est dans l'eau, ah, pour se propulser. Ah, ok, comme un petit jet ski ou quoi, d'accord, ok, ouais. Ok. Bon, en tout cas, on peut le voir, plein d'hélicoptères sont mobilisés, waouh. Oh, mais oh là c'est... là, c'est celui que t'adores, lui, c'est le Grand Macha. C'est le plus fort. Oh, waouh, wow, il est tellement grand. Et attends, lui, oh, je crois que c'est le Bloop. Attends, mais il est Bloop, énorme aussi, hein. Oh là 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 là, mais les potes, le combat va être épique. Regardez ça, tous les hélicoptères qui sont en soutien pour eh bien, protéger le combat. D'ailleurs, on peut le voir, ils ont, je crois, peut-être des missiles. C'est quoi ça? Oui, ils ont des missiles, ouais, pour tirer missiles sur le Bloop et le Grand Macha. Au cas où il y a un débordement ou quoi. Ouais, plein de missiles sont prêts à exploser et à intervenir littéralement. Bon, ok, on est maintenant en train de voir la mer. Voilà, l'eau et tout, c'est super. Mais on ne voit ni le Bloop, ni le Grand Macha. Oh, attendez, oh, la caméra vient de se couper. Ah non, je crois qu'un plongeur est parti sous l'eau, là. Ah, il est fou, par contre. Tu serais capable, toi, d'y aller? Jamais de la vie. Ouais, quand même, là. Sinon, tu te fais attaquer par le Bloop. Ah non, 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 faut pas. Eh, en tout cas, t'as eu raison, oh, hein. Oh, ouah, le Bloop. Le Bloop. Oh là, oh le là Grand là Macha, il est énervé. Oh, il est énervé, le Grand Macha. Oh, waouh. Ah ouais, au final, oh là là, je retire peut-être que c'est ce que j'ai dit, hein. C'est peut-être le Grand Macha qui va gagner le combat. Wow, bah mais oui, regardez comment le Grand Macha, il est dangereux. Oh là, regarde là, sa mais... bouche. Allez, j'y crois au Bloop. Moi, les potes, j'en suis sûr, c'est la team Bloop qui va gagner. Toi, t'es team quoi déjà? Grand Macha. Ouais, team Grand Macha. En tout cas, en commentaire, dites-le. Et regardez, c'est maintenant l'heure du premier face-à-face. Oh là là, le Grand Macha, il a tellement de dents. Alors que le Bloop, ah oui, est en train de le regarder d'un peu plus loin. Et le Grand Macha, mais regardez ses yeux là. Oh là 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 là, les potes. Ça, ça va être un combat extrêmement violent. Oh là là, ok. Bon, ils sont en train de se regarder. Le Grand Macha, on peut le voir. Bloop, il ne le lâche pas du tout du regard. Mais ça y est, le Bloop fait la première provocation. Oh, il est en train de crier sur le Grand Macha. Est-ce qu'on va avoir une réponse du Grand Macha? Ok, non, mais le Bloop, il continue de lui crier dessus. Et ça y est, attends, le regarde. Grand Macha répond. Oh, il répond et... Oh, attendez! Je crois qu'il y a un missile qui est en train de partir sur le Grand Macha, là, non? Ou peut-être pas, je sais pas. Non, non, mais bon, non, en tout cas, ça y est. Il commence les premières provocations, comme vous pouvez le voir. Et ok, très bien, ça continue de se crier dessus. Bon, j'ai très très hâte de voir quand le combat va commencer. Là, pour l'instant, on va dire, c'est un petit peu des jeux de regard, tu vois. Oh, attention! Le Bloop s'approche! Le Grand Macha aussi est... Oh, oh là là, okay. La première confrontation, les potes. Bon, pour l'instant, ça va, c'est tranquille, on peut le voir, regardez la mer. Elle est toute agitée avec ces énormes monstres. Attention, le Bloop est en train de riposter. Et je crois que... Ouh, ouh là là là, t'as non vu ça? Aïe, non, aïe, aïe, ah. Là, je crois que ton Grand Macha, il a pris un petit coup, hein. Ah mais ouais, non, il va survivre. Ouais, il devrait survivre quand même à ça. Mais ça fait quand même un petit coup, ça fait mal. Oh non, voilà, il a attaqué le Bloop, le Grand Macha. Aïe, 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 aïe. Alors ça, ça fait mal au Bloop, regardez. Il a les yeux qui sont en train de partir partout là. Ok, bon, là on peut le dire, un coup chacun. Mais je crois que le coup du Grand Macha est encore plus violent que celui du Bloop. Mais ouais, non, oh, regardez, oh, non, le Bloop a littéralement mis un énorme coup de nageoire sur le Grand Macha. Oula, ça, ça va vraiment littéralement le désorienter. On peut le voir qu'il y a un petit peu de sang de partout. C'est assez gore quand même comme image. T'es sûr de vouloir, regarde, continuer la séance? Il y a du sang partout, oui, et tout, c'est gore quand même, hein. Bon, mais non, c'est allez, du en tout cas, ouais, c'est vrai que après c'est du spectacle, les amis, hein. Le Bloop n'existe pas dans la vie, ou en tout cas je l'espère pas, hein. Ok, alors non, le Grand Macha cette fois-ci, attention, deuxième confrontation. Ça se recroque et... Oh non, ils se sont esquivés. Il a coupé, oh, la nageoire. What? Il lui a... Non. Oh non. Attends, le Bloop a croqué encore une fois le Grand Macha. Oh, il est malin, le Bloop. Aïe, aïe, aïe. Alors là, ça encore une fois, c'est pas bon pour le Grand Macha, hein. Il vient de se prendre un nouveau coup et... Oh, attention, le Grand Macha qui répond. Oh, waouh, il fait bouger sa nageoire super vite, là. Je crois que là, l'eau est en train de partir dans tous les sens au-dessus. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas finir. Oh, le Grand Macha, je croyais qu'il essaye d'entourer le Bloop. Il essaye de l'entourer avec sa grande, grande nageoire. Oula, le Bloop là, il commence à pas être bien. On peut le voir. Oh là là, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe là? Je comprends même plus ce qui se passe. Ok. Je t'ai dit, il allait gagner. Bah, mais attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Attends.
En tout cas, on peut le voir que le bloop, il a un petit trou et il y a de l'air qui passe ou de l'eau, je sais pas. En tout cas, il a l'air d'avoir un petit peu du mal. Ah, attention! Le bloop qui va essayer d'aller respirer, mais non! Le gros Mara a croqué un peu sa nageoire! Ah oui, oui, je crois que c'est ça, le bloop, il a du mal à respirer, là. Il a un petit peu du mal à respirer. Oh, what? T'as ah, vu le morceau de nageoire qu'il a avalé? Ah, voilà, ça y est. Le bloop peut enfin re-respirer. Ah, là, il est un petit peu mieux, comme vous pouvez le voir, mais ouais! Il a un petit trou au-dessus de la... au-dessus pour pouvoir bien respirer. Normalement, ça y est. Il a repris un petit peu de force, le bloop. Donc, le combat n'est pas fini. Mais regardez, le grand Mara est tellement sûr de lui. Mais attention, c'est l'heure de riposter pour le bloop. Et... oh non, voilà. Aïe, les amis. Le grand Mara qui est encore en train de croquer le bloop. Et oh, non. What? Ah bah oui, bah, bien sûr, il faut répondre à ça. Voilà, c'est comme ça qu'il faut répondre. Mais alors là, on peut le voir, je crois bien que nos deux énormes monstres sont en train de souffrir, là, il y a du sang de partout. Oh là 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 là. Regardez le bloop qui a un morceau de nageoire du grand Mara. Mais attention les amis, évidemment, ce n'est toujours pas fini. Oh, regarde, c'est qui a croqué là? C'est le grand Mara, et c'est le bloop. Il a croqué le grand Mara, yes. Allez, voilà. C'est ça qu'il faut faire, le bloop. Bien joué à toi. Et attention, le grand Mara contre le bloop. Oh, aïe. Oh, voilà. Attends, dans la c'est tête. Qui a croqué qui l'a... Non, c'est le grand Mara. Il a croqué le bloop. Oh, what? Oh, mais regardez, t'as vu? Il lui a mangé presque... Mais il lui a mangé le nez, là, non? C'est quoi qui lui a mangé? Oui. Aïe. Il a mangé l'œil. Ouais, ça doit faire vraiment mal, là. Hein. Aïe, je crois que ça sent pas bon pour le bloop. On essaye toujours de se débattre avec les nageoires, mais ça ne suffit plus, les amis, là. C'est trop violent, les images qui sont en train de se passer, là. Je veux plus regarder. Mais il faut quand même qu'on finisse ce combat. Je veux savoir c'est qui l'emporte, au final. Regardez, il y a du sang de partout. Le bloop qui est en train d'avoir l'œil qui part dans tous les sens. Et waouh, regardez tous les morceaux de nageoires qui tombent. Bon, du coup, qui va gagner le combat? Parce que là, je crois que ça va être les dernières secondes de ce grand combat. Est-ce que toi, tu es toujours persuadé que c'est le grand Mara qui va gagner? Oui, toujours. Moi aussi, toujours, je commence à vraiment douter du bloop, là. Il a vraiment plus l'air en forme. Et le grand Mara qui est au-dessus, vous pouvez le voir. Et attention, qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? C'est le grand Mara? Il se réveille? Oh, attendez. Oui, c'est le grand Mara, mais attention, non! Les missiles! Les missiles vont peut-être attaquer le grand Mara! Oh, attendez. Regarde, les esquives! Ok, il les fait dévier. Le grand Mara, il les fait dévier grâce au courant, comme vous pouvez le voir. Il esquive tous les missiles. Mais je crois que du coup, le Blue Plague. Oh. Mais il est mort, c'est pas possible. Bon, bah en oui. tout cas, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est je crois que. Je crois que t'as raison. Je suis dégoûté. Je me suis trompé dans mon pari, les amis. Mon pari était clairement mauvais. Mais hey, en tout cas, monsieur, la séance de cinéma était incroyable. J'ai trop aimé le film. Merci Alors, beaucoup. J'espère qu'elle vous a plu, franchement. On va faire une petite photo de groupe. J'espère que ça vous dérange pas. Ouais, vas-y, on peut faire une photo de groupe. Je vais demander de vous mettre devant. Ouais, là, hop là, allez, c'est parti. On va se mettre devant la séance de cinéma. Franchement, on a passé un super moment. Attendez, on met les popcorn. Ouais. Hop, pour montrer qu'on était allé au cinéma. Voilà, allez, la petite photo. Mon téléphone. Ouais, allez, hop, c'est parti. On fait la petite photo de groupe. Allez. Et voilà. Super. Ouais. Bon. On a bien respecté le dress code, on a passé un super moment au cinéma. Je suis un petit peu dégoûté parce que moi j'étais pour la team Bloop et au final le grand Mara est encore plus fort que le Bloop. Mais ah oui, la vie. T'as gagné. Mais bon, après le film était incroyable. Toi t'en avais pensé quoi, monsieur? Moi j'ai trouvé qu'il était pas mal aussi. Ouais, il était trop bien. Bon, bah on va y aller en tout cas. Merci pour cette superbe séance. Au revoir. Au revoir. Merci. Ciao, ciao. Je vais se prendre la sortie. Ouais, allez, c'est parti. On sort tout de suite de la salle de cinéma. En tout cas, ce cinéma est vraiment trop bien. Allez, à la prochaine, monsieur. À la prochaine. Au revoir. Bon. Et ben, en tout cas, on a passé une superbe journée. Toutes les personnes qui ont trouvé, du coup, la team Grand Mara, bien joué à vous. Et si ça vous dit qu'un jour, on tente d'essayer de chercher le Grand Mara dans Brookhaven, dis-le-moi tout de suite dans l'espace commentaire, on pourrait essayer de faire une petite escapade dans, eh bien, la mer de Brookhaven. Ça te dirait, toi, le petit, là? Oui. D'ailleurs, tu t'appelles comment, en fait? Parce que je t'appelle le petit, mais ça se fait pas, quoi. Tu t'appelles comment?
Moi aussi, Jean. Ok, bon, bah Jean, dans ce cas-là, si ça te dit, est-ce que ça te dirait qu'on se fasse une petite escapade? Pourquoi pas, on essaierait de retrouver le grand Mara ou le Bloop dans Brookhaven? Oui. Bon, vous m'appelez. Eh bien, vas-y, je t'appellerai tout de suite. Bah allez, à plus, au revoir. À plus, bonne journée. Bon, si vous voulez voir cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et dès maintenant, je te propose deux nouvelles vidéos sur ton écran, une ici et une à droite. Clique tout de suite dessus et je te souhaite un bon visionnage. Ciao, ciao.